Luminosité. Si, il y a un peu trop de luminosité. Enfin, c'est option des amis, donc. C'est quoi? Ah si, c'est les graphismes. C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est le... accessibilité? Alors, attendez. Ouais, je sais pas. Non, en vrai, ça va, c'est bien comme ça, c'est bien. Donc, les amis, ben, on va commencer à jouer. Et puis, tac. Alors, nouvelle partie. Ajouter écran scindé. Non, nouvelle partie. Fastoche ou normal? On va mettre normal, les amis, parce qu'on n'est pas des pros. Donc, nouvelle partie, coopération. Le butin est personnel. J'avoue, rien que vous en savez, vos petits camarades ne peuvent pas faire main basse dessus. Vous pouvez jouer avec qui vous voulez, quand vous voulez, quel que soit le niveau. Coopération, les règles standards de Borderlands. Vous pouvez vous mettre d'accord sur qui récupérer. Vous pouvez tout ramasser comme un escroc et prétendre qu'il n'y avait rien. C'est vous qui voyez pas. Alors, il n'y a aucun équivalent de niveau. Si vous êtes niveau 1 et qu'un ami de niveau 5, rejoignez votre partie, gardez. Donc, compétition ou coopération. Ah, oh, en plus, regardez, il y a le bras. Donc, je sais pas, ouais, je sais pas. Coopération, c'est butin personnel à vous, rien qu'à vous, Vincent. Petits camarades ne peuvent pas faire main basse dessus. Coopération, donc. Enfin, je sais pas. Coopération, allez. Donc, vous aimez les histoires, hein? Go, les amis. Un récit d'aventure au beau milieu des étoiles. Approchez. Écoutez donc le vieux Marcus. J'ai justement de quoi vous faire rêver. Mon histoire commence ici, sur une planète reculée appelée Pandore. Pour beaucoup, ce n'est qu'une terre d'avarice et de violence. Ce qui n'est pas faux. Mais, à condition d'avoir un minimum de talent, elle peut aussi regorger d'opportunités. Les chasseurs de l'Arche. Ils fouillent ces zones reculées à la recherche de trésors aliens enfouis. Mon père me racontait déjà leurs aventures quand j'étais enfant. Et maintenant, c'est à mon tour. Vous vous demandez sûrement ce qu'on trouve dans ces arches. La gloire, la fortune, la puissance, ou bien des conneries comme la charité ou la famille. J'en sais rien, moi. Vous avez qu'à imaginer. Mais quoi qu'elle renferme, un chasseur de l'arche doit être assez déterminé pour arracher la victoire des mains jalouses du destin. Mon histoire du jour s'intéresse à un groupe bien spécial de chasseurs de l'arche, dont l'aventure débute à peine. Un groupe audacieux et affamé. Si je vous en parle, c'est peut-être qu'ils me font penser à vous. Mais juste un peu, je veux pas que ça vous monte à la tête. Ces nouveaux chasseurs de l'arche répondent à l'appel d'une sirène. Cette sirène s'appelle Lilith, et c'est une véritable folie. Elle a sauvé Pandore au moins une dizaine de fois. Et aujourd'hui, elle cherche à former une équipe pour retrouver une carte. Une carte qui la mènera à toutes les arches de la galaxie. Mais elle n'est pas la seule à la chercher. Des forces maléfiques ont envahi la région. Une nouvelle menace, pire que ce que la galaxie a pu connaître jusqu'alors. Mon histoire commence ici, sur Pandore. Avec nos nouveaux chasseurs de l'arche, la sirène qui les guide, puis bien entendu. Ouais. Et voilà ce que c'est Borderland. Oh, c'est stylé, les amis. Ça, c'est un homme masqué. What the fuck? Il a coupé une main. Il a coupé une main d'un mec. What the fuck? Ah, c'est stylé, les amis. C'est vraiment badass. Oh, oh, un méchant. Oh, 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 comme il s'est fait écraser, les amis. Ouais, lui, il a déglingué des personnes. Alors, eux, si vous voulez savoir, les hommes masqués, c'est des méchants.
Voilà, c'est des méchants. Et eux, c'est qui? Ah, eux, par contre, c'est les gentils. Et donc, nous, on est ici. Si je me trompe pas. Ah, il est badass, le jeu. C'est vraiment stylé. Là, c'est dans le repère des méchants. Là, c'est les gentils. Et bam. Alors, lui, il peut appeler des personnes. What? Elle se transforme en robot. Ok. Elle fait quoi? What? Oh, stylé! Elle a un super pouvoir, elle. Oh, désolé pour le message. Après, moi, je sais pas si vous aimez ce jeu, mais moi, en tout cas, je le trouve ultra bien. C'est pour ça que je vous ai fait une vidéo sur ce jeu, qui est complètement très stylé. Ok, à ce que j'ai compris, tous les gentils, ils ont une... genre les quatre, là, ils ont de différents pouvoirs, à ce que j'ai compris. Donc, ouais, ça fait plaisir. Là, il y a Marcus, enfin, je crois. Quelle merveilleuse journée, remplie d'opportunités. Ouais, c'est Marcus. Alors, y aura qui? Ah oui, là, c'est vrai, faut choisir. Donc, Flax se nourrit des cauchemars de ses ennemis grâce à ses créatures et ses compétences spéciales. Après, il y a Amara. Libérer ses pouvoirs élémentaux de sirène pour immobiliser et écraser ses ennemis au combat, stylé. Déploie des gadgets pour prendre le contrôle du champ de bataille en usant de manipulation, ok. Mose fait appel à son mecha, l'ours de fer, pour se protéger tout en décimant ses ennemis. Après, il y a Flak qui est vraiment stylé, se nourrit des cauchemars. Compétence spéciale. Mais j'aime vraiment beaucoup Mose. Moz est stylé parce que fait appel à son mecha, donc en fait vous voyez dans le petit truc, elle appelle son mecha, donc son gros ours, pour se protéger. Donc en vrai ça va, c'est balèze. Et il y a aussi sirène, roi des bêtes, agent, artilleuse. Je sais pas, en fait moi j'ai envie de choisir Flak, donc Flak 4 ou Moz, parce que en fait ils sont tous les deux bien. En vrai, ça, je peux choisir. Surtout que les deux sont bien. Flak est très badass. Hein. C'est stylé. En vrai, lui, il est bien. Ouais, en vrai, Flak. En vrai, les amis. En vrai, il est grave badass, Flak. Allez, go faire l'aventure avec Flak. Un nouveau chasseur de l'arche. Moi, c'est Marcus. On peut dire que t'as choisi le bon moment pour rejoindre les... Parce qu'en plus, Flak, il peut appeler des ennemis. Quelqu'un a survécu à l'attaque. Il peut appeler ses monstres. Commandant des pillards écarlates. Les bandits que tu viens de combattre font partie d'une secte qui cherche la carte des arches. Mais toi et moi, on va la trouver avant eux. Mon éclaireur t'attend un peu plus loin. Bonne chance. Elle parle dans mon esprit. Étrange. C'est ici que tu descends, toi. Ah, c'est ici qu'on va descendre. Ok. Essaie de rester en vie. Ça m'ennuierait de perdre un nouveau client. Ok, go les amis. Et bienvenue sur Pandore. Stylé les amis. Ah, alors c'est toi la nouvelle recrue. Bonjour. Je suis un robot 7-4-PTP, mais tu peux m'appeler Général Gap-Gap des Pillards Écarlates. C'est quoi ton petit nom? Je t'autorise à m'appeler Flak, en attendant que je décide ou non de te tuer. Merci.
je vais te précommander une pierre tombale, on sait jamais. Donc, les margoulins qui ont voulu te tuer, ce sont les descendants de l'Arche, une secte de bandits qui serait prêt à se jeter d'une falaise pour leur leader 5. Donc comme il dit Claptrap, il dit il y aura des bandes de bandits qui nous attaqueront. Ok. Ah, je le prends. Ok, prendre. Je sais pas c'est quoi. Légèrement plus puissant que les codeux et deux fois plus cher. Sans compter que les codeux avaient un petit problème de combustion. Ok, lancement écho. Ils le vendent toujours, mais sous l'appellation générique de grenade. Ok. Alors écoute-moi bien la blessure. Lilith nous a demandé de capturer un centre de propagande des descendants de l'Arche. On va montrer à ces fanatiques que les pillards écarlates sont pas là pour badiner rigoler. Suis-moi pour la gloire. Okay. Ok, go, je te suis. Ok, on court comme ça. C'est un peu comme Fortnite. On court comme ça, ok. Avant qu'on se mette en quête de vengeance, enregistre ton écho à cette station modifiée éclair. Dès qu'on aura vaincu la secte, je serai célèbre. Et quand je signerai des autographes sur des nénés, je veux que t'aies l'air stylé tout en repoussant les hordes de fans qui se jetteront sur moi. Ok, donc c'est ça. Utiliser. J'ai que ça comme skin. C'est quoi ce truc? Ah, ça c'est le blouson. En vrai, en noir, c'est stylé. Encouragement. Montrer du doigt. Rire. Thème écho. La tête, c'est flac. Skin, couleur, attends, couleur. Ah, là, c'est la tête. Robot. C'est la. Ah, c'est la tête du robot. On va la mettre en blanc. Après. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Principal. Ça, c'est le. Ça, je vais le mettre en noir. Hein. Comme on a dit, le blouson. Donc, attendez. Donc, costume noir. Tête blanche. Ah, ça va, c'est stylé. Go, les amis. C'est quoi ça? Ok. De propagande et par là. Ok, go. Ouais, c'est bloqué. Par contre. Non, c'est bloqué. Impossible. C'est toute la mission qui tombe à l'eau. Réfléchis, Gaffrap. Vite. Tu es courageux et puissant. Et les gens font toujours ce que tu leur demandes. Ah, je sais. Recrue, ouvre cette porte. C'est un ordre de ton supérieur hiérarchique. Ok, j'ouvre une porte. Alors attends, objectif. Ah bah ok, il y a un point. Ah, c'est juste derrière. Et il y a un truc là. Utiliser. Ah, ça s'ouvre. Trop cool. Ok, bah go. Rond pour vous accroupir. Ok, ok. Stylé, stylé. Ah, on peut glisser comme ça. Badass. Aïe. Comment on fait là? Ah, ok, on a plus longtemps. Qu'on peut sauter comme ça. Les pillards à tour de bras, c'est vraiment des gros nulos. Mais j'ai un plan en béton similaire pour leur botter le trou du fion. J'ai caché des armes dans le coin. Fais pas de bruit et suis-moi comme une ombre. On va être furtif. Ah, faut être furtif. Je vais marcher jusqu'ici. Ok. Et je vais tourner. Et je vais aller jusqu'ici sans le moindre bruit sur la voie des pieds. Jusqu'ici, un petit tour rapide, je suis trop discret. Je suis le robot le plus discret de tous les temps. Oh, c'était un peu fort. Ok, et y a quoi? Quand la mission sera finie, l'élite sera obligée de me nommer super général. Ok. Recule!
Oh. Ok. Furtif, ça. C'est surprenant que tu sois encore en vie. Ah, mais c'est bloqué. Sur Pandore, c'est quand il n'y a pas d'explosion que tout le monde trouve ça bizarre. Prends ton arme, recrue. Tu vas ok, merci. Oh, c'était un petit pistolet. Ces armes, un peu comme moi, ne sont pas liées à leur fonction principale. Je peux danser et chanter. Et certaines armes incluent aussi un mode de tir. C'est quoi ça? Vas-y, pistolet. Zip rocket. Oh, on peut lancer des roquettes et tout. C'est stylé. Je vais prendre pistolet, frère. Allez, go. Qu'est-ce qu'on doit faire? Attends là, je vais les convaincre. Ok, pénétrer dans le centre de Probragante. C'est notre défi. Ok, vas-y. Y'a quelqu'un? C'est stylé. Bonjour, cinglé assoiffé de sang. Je suis Clap Bonjour. Chum, bourreau du destructeur et super général des pillards écarlates. Vous êtes complètement encerclé. What? Si je brûle. Porte, je ferai éventuellement preuve de clément. Ah, c'est ça. Oui. Laisse-moi afficher une seconde. Ils se font peut-être appeler les descendants de l'arche, mais ça reste que des bandits, et les bandits sont terriblement stupides. Ok, on va bien se rendre. Pitié, l'eau du banc, t'as de ferraille. C'est bien ce que je pensais. Ouvrez immédiatement les portes à votre nouveau... Allez, ouvrez les portes. Doucement, doucement. Je vais sortir. Wow, il est chaud, lui. Voilà. Allez, fais-nous. Ouvre-nous les portes. On a réussi. GG. Encore une victoire des pillards écarlates. Je me sens bizarre. Oh oh. Qu'est-ce qui m'arrive? What? Y'a quoi? Oh non, ils l'ont pris! Ok, on peut tirer. What? Ok, c'est un méchant ça? Oh, ça commence. Ok, salut, ça va? Salut. Salut frère. Ok bam. Je n'espère plus. What, c'est qui lui? Tu ne peux rien contre moi. Salut. Oh lui. Ok bam. Ça c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il fait? Ok bam. Viens ici toi. Plus de munitions. C'est pas bon ça. Ok, il y a des munitions ici. Ok, t'inquiète. Prendre des coups. Ok. On prend max de balles, les mecs. Ouais, ils sont chauds là. Oh, c'est le début. Je sais que Claptrap peut être un peu Claptrap, mais c'est quand même l'un des nôtres. Ok, c'était pas drôle. Non, c'était censé être une blague. Parce qu'elle dit Claptrap, on l'aimait et tout, mais je sais pas, elle avait dit des trucs chelous. Oh, il y a des armes. Oh, est stylé cette arme. Okay. Changer d'arme comme ça. Ok. Hello, y a des gens. What? Ok, ça commence. Ils sont où en fait? Allez frère. Ils sont forts par contre. Ils ne pouvaient pas finir autrement. Ok bam. Ah les mecs, je vais mourir dès le début du jeu. Je suis trop nul. On peut tirer par ici. Oh, on peut tirer par ici, trop cool. C'est bien. Ok, il y a un mec on dirait. Juste à côté de nous là.
Non, je suis mort. Non, pourquoi? Pourquoi je suis mort dès le début du jeu? Ça se fait pas. Avouez, ça se faisait pas, les mecs. Bon, ok, ils veulent jouer comme ça. Non, mais pas de problème. Je vais me concentrer, je vais tryhard de ouf. Ils vont rien piger. Ils vont rien piger. Ils veulent que je tryhard, non, ils veulent que je tryhard. Bah là, je peux pas tirer. Mais mec, en même temps, mec, c'est des bots. Ils ont du shoot. Hein. Change d'arme. Mais mec, c'est quoi ces balles qu'ils mettent? Je vais jamais avancer dans l'histoire, le truc. Dès le début du jeu, mec. Jamais de chance. Frère, bouge. T'es nul. Satisfaisant. Bam. Ok, fouiller des zones pour trouver un bouclier. Prendre un bouclier. Je vais chercher. Attends, c'est quoi ça? Ok, merci. C'est que moi je suis un peu foutu parce que... Ah si, c'est bon, je reprends des PV automatiquement. Donc là, il faut trouver un bouclier, ils ont dit. D'abord, je prends les balles. Hein. Parce que là, donc c'est où qu'on doit aller? C'est trouver un bouclier. Donc c'est là-bas. C'est où le bouclier? Hello. Il est où le bouclier? Frère, je passe juste à côté du bouclier. Ah non, mais c'est là-bas, je crois. Rouge. Bouclier rouge. Je trouve pas de bouclier rouge, frère. Dis n'importe quoi. Mais mec, mais pourquoi je suis nul? Pourquoi je suis nul? Hein, les mecs, avouez, je suis nul. Avouez-le. Faut avouer que je suis nul dans ce jeu. Je pue la race. Bon, bah, il faut le chercher. Je sais pas où. Il faut aller tout là-bas. C'est qui, lui? C'est que ce truc? Ok. C'est là-bas le bouclier, les mecs. C'est ça, le bouclier? Ok, j'ai trouvé un bouclier. Prendre un bouclier, j'ai pris un bouclier. Ok. Et maintenant que j'ai pris un bouclier, je fais quoi? Ah, faut que je rentre ici. Ah, ouais, c'est bon. Trouver Shiv. Trouver Shiv. Ouah, c'est quoi ça? What? Pourquoi sombrer les petits? Sombrer tout petit, les mecs. Oh, mais c'est un boss! Oh, mais je rêve où c'est un boss, là. C'est un boss. Il fait mal. Non, tu vas pas me bouffer, frère. Tu dis n'importe quoi. Tu vas rien faire. What? Secours! Allez, les mecs. Le faire. Ok, là je rush ma vie. Ok, bam. Ok, bam, on l'a tué, les mecs. Il semblerait que les... Oh, il a une belle arme. Ok, compétence d'action. Ok, on s'en fout. Oh, il a une belle arme là, les mecs. On va prendre cette arme. Un point pour les pillards écarlates. Claptrap et toi, sécurisez la zone.
Je suis en route. J'ai tué le boss. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut aller ici, ok. Faut aller là-bas. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Tac, ok. Oh. Ok, t'inquiète, j'arrive. What the fuck? Ok, c'est là-bas, les amis. Peut-être le sauver, là. Ok, c'est quoi, ça? Ok, j'utilise. Ah, mais c'est lui. Ah, t'es où, frère? Ok, faut que je descende. What the fuck? Et yes! T'es où? Oh, t'es là! Ça va? Réanimer. Et régénère-toi. Oh, trop cool, je peux réanimer. Génial! T'es vivant? Non, c'est plutôt moi qui a tout fait là. Le mec il dit ouais, c'est moi qui a tout fait et tout. Ah non, là c'est moi qui a fait. Hein. J'ai battu un boss, j'ai battu une orbe de mec masqué. Truc. What, c'est quoi ça? What the fuck? Oh, je sais pas si elle est gentille, mais. What the fuck? Salut. Ok, elle est gentille. Genre, elle a dit salut. Je me suis dit, ah ben elle est gentille. Je suis en mesure de dire que l'opération. Ok, t'es où, frère? Attends, elle est là-bas, la meuf. Ok. Salut. J'en doute pas. Bon, puisque la secte a détruit toutes les autres forteresses des pillards, on va s'installer ici. Alors, comment tu t'appelles? Pandore est une planète dangereuse. T'auras bien besoin de ce mode de grenade. Tu devrais t'en équiper pour votre inventaire. Ok. Descente de l'arche. Ok. Préviens-moi quand ce sera fait. Je m'en équiperai une autre fois. C'est toi qui vois. Mais comment on fait pour équiper les mecs? Ok, là c'est la carte, les amis. J'essaye de comprendre un peu. Alors, cette liste affiche des zones pour laquelle le voyage est clair. Puis pourra pour vous rendre. Déplacer le curseur. Ah, ok. Ok. Et Attends, c'est quoi ça? Inventaire. Ok. Ah, voilà, c'est ça que je voulais voir. Je vais placer elle à la place de cette arme. Comme ça, au moins. C'est quoi ça? Tac, tac. C'est ça qu'il faut équiper? Je crois que c'est ça qu'il faut équiper, les mecs. De bas en haut, descendre de l'arche. Ok, go. Tiens, y'a que moi qui entends des hurlements. En voilà d'autres. Recrue, fais voir ce que t'as dans le ventre. Ils sont trop nombreux. What? On est foutus. Ok. Ils sont trop nombreux, les frères. Oh, le gros pompe. Coule-toi. Ah, mon bouclier, ils font trop mal. Tu es déjà mort. Tu t'en rends compte, non? Ouais, mais non, mais je vais mourir, ça se fait pas. Ouais, mais ça se fait pas, frère. Allez, vite. Bam. Ok, je vais me couvrir. Ok, bam. What? Ok, bam. Frère, attends, ils font trop mal. Bam. Buté. Il y en a un autre. Beau combat, bravo. Ok, merci. Je dois juste faire un truc. Non, c'est pas là. Ah, c'est là, c'est vrai. Je vais juste mettre cette arme. Tac. Comme ça, voilà. Je recharge mon arme, hein, parce que... Non, en vrai, ça va, elle est bien, cette arme. Tac, voilà. Très bien, on a un point stratégique.
Le vent va peut-être enfin tourner. Toi, recrue, viens avec moi. Ok, je te suis. Je t'explique. Par contre, c'était un beau combat, les amis. Une carte. Elle indiquait des arches partout dans la galaxie. Le rêve, pas vrai? Mais je me suis pas rendu compte que ça nous collait une cible énorme dans le dos. On s'est fait attaquer, la carte a disparu. Et depuis, je la cherche partout. Pas ici. J'étais tellement à fond dans mes recherches que j'ai pas vu Pandore changer. Alors que les clans de bandits s'étaient toujours massacrés pour le plaisir, cette fois, ils s'étaient tous assemblés sous une même bannière. Une secte. Ok. Les descendants de l'Arche. Bah là, c'est moi qui marche. Exact. Qui parle. Allez, viens, on va jeter un œil. Ok, vas-y, je te suis, ils t'inquiète. Go, 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 les amis. Ah oui, et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification, les amis. Ça fait grave plaisir. Surtout que le jeu est ultra bien. Je prends ça. Vas-y, go, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais c'est pas ça qui va arrêter une sirène. Ok, qu'est-ce que tu vas faire? What? Je monte la garde. Comment elle a fait ça? Ah mais c'est vrai, c'est la sirène. Voilà. Je suis là. Ah là, il y a plein de trucs à fouiller. Oh, pousse-toi, toi. Ok, je fouille ça. Mais c'est quoi comme arme? Ok, j'ai pris une arme sans... Mais qu'est-ce qu'on a là? Ok, tac. What? C'est business. Ok. Tiens, pas des trucs à fouiller là. Est-ce que faut fouiller un peu? La carte, je le savais. On doit trouver les éclipseurs avant eux. Ça se fouille ça. Ok, non. Je vais ouvrir la porte. Je vais ouvrir la porte, ok. GG. Qu'est-ce qu'il y aura? Viens, c'est par là. Ok, bam. Prends ça, les amis. C'est quoi ça? Oh, ce truc, ça. Ok, go, les amis. Ça, c'est quoi? Attends, entendu, arrière. Mais ça, c'est quoi, en fait? Je sais pas c'est quoi, ce truc. Ok, pas grave. On continue. Bam. On continue, les amis. Moi, perso, je trouve ce jeu ultra trop cool. Ok. Je vais installer notre camp et trouver des infos sur les Calypso. Toi, le chef de guerre des éclipseurs, et fais ce qu'il faudra pour reprendre cette carte. Je vois que vous avez les choses en main. Bonne chance! Moi je vais traîner dans les angles. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire, les amis? Bon alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, c'est vrai que c'est pas top, mais on n'a pas trop le choix pour l'instant. Et puis c'est pas la première fois que des pillards écarlates partent de zéro. Ok. Mais c'est pas Sanctuary, pourvu bon, qu'Ellie nous fasse vite décoller. Il y a des trucs à fouiller là? Ok, non. Oh, il y a de la musique. Bonjour. Ah, je peux éteindre. Ouais, logique. On va éteindre. Après, il y a quoi à fouiller? J'essaye d'aller de partout parce que peut-être qu'il y a des choses à fouiller, les amis. Qu'on peut pas ouvrir. Si on peut pas fouiller, on peut fouiller, mais genre, je sais pas. Pas de truc. Okay, pas de truc à fouiller, mais c'est bizarre tout ça. Non, parce que sur ce jeu, c'est très important de fouiller. Parce qu'en fait, c'est les balles. Ah, ok, là, il y a un truc, les amis. Article du jour, peu commun. Ok. Ça, c'est quoi, ça? Ah, c'est des petits trucs. Bref. Allons là-bas. Ça, c'est quoi, ça, les amis? Ah, ok. Bref, bah les amis, je crois qu'on va se laisser sur cette vidéo hein, pour plus de suspense. Bref, les amis, on va se laisser sur cette vidéo. Donc, pour laisser un peu plus de suspense, parce que en vrai, là, il y a beaucoup de choses. Donc, on verra d'un autre côté juste après.
Donc, les amis, oubliez pas de laisser votre pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ça me ferait mais vachement plaisir, les amis. Et puis, rendez-vous pour une autre suite. Voilà. Donc, ciao, les amis. Et merci d'avoir regardé ma vidéo. Voilà. Allez, ciao, les amis. Rendez-vous pour une autre aventure. Ciao.